Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, changement de programme parce que là, il y a un nouveau dinosaure, comme vous le voyez, qui vient d'être ajouté dans le jeu. Évidemment, par le biais des mods, parce que là, les développeurs, ils sont totalement AFK, il n'y a plus rien qui se passe, donc bon, on va attendre un peu. Mais là, les modeurs ont créé ce nouveau dinosaure, le Dilophosaurus Rex. Voilà, il y a plusieurs espèces, hein, comme d'habitude. Je vais prendre, pour commencer, le balancer. Au pire, je changerai pendant la vidéo. Et on va le tester, on va voir un petit peu s'il y a du venin, s'il y a du saignement, s'il est bon, s'il est pas bon. Mais bon, mon pif, je le sens pas. Je le sens pas parce que dans tous les cas, j'aime pas les dinosaures fragiles dans ce jeu. Parce que, bah écoutez, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais il y a vraiment des gros problèmes pour les dinosaures fragiles, même s'ils sont jouables en groupe, hein, c'est mieux. C'est quand même très problématique dans ce jeu, vous verrez pourquoi. Alors le petit dilophosaure, on va déjà tester les cris, on va voir ce que ça donne. Ok, ouais, ça c'est le cri d'appel, il est pas mal. Cri gentil. Cri agressif, il est sympa, en plus l'animation elle est vraiment cool. Cri de peur. Et après c'est les émotes. Ok, il y a un Barbeldia. Yo Barbeldia, est-ce que je te fais du saignement? Viens, 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 je cours assez vite. What? Oh, j'ai pas fait de saignement. Bon, je me casse. Alors, il a une attaque, mais elle est un peu chelou. What? What the fuck? Calmez-vous tous! Elle est un peu chelou, son attaque. Parce que je clique. Et elle part quand même longtemps après. Bon, bref, on va faire les quêtes. Alors, il court assez vite quand même pour l'instant. Il tourne relativement bien. Il est quand même très bien modélisé. Il est très beau. Il n'y a pas à niaiser. Il est très très beau. Après, il faut voir voilà, les attaques et tout ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon. Dinosaure fragile, si vous avez suivi la vidéo, les deux vidéos précédentes sur ce jeu, comprenez que c'est pas un bon bail. Hein. Vous allez certainement voir pourquoi dans cette vidéo encore. Bref, alors on va faire ça. On va voir un petit peu les capacités, qu'est-ce qu'il y a. Alors coup de tête, attaque qui cause de lourds dégâts, de saignement. Ok, débloqué, débloqué. Ça c'est quoi? Une espèce de capacité pour gagner de la vitesse. On s'en fout un peu. On va mettre l'attaque qui cause des saignements. Ah, très bien, patte avant. Coup de griffe provoquant de gros dégâts. On prend un écaille. Alors, soit on perd de la défense, soit on perd de la défense et de la rotation. Je sais pas trop en vrai, je sais pas trop pour l'instant. Voix. Alors, ça, c'est des habilités aussi. C'est des améliorateurs de stats. Ça, ça réduit les dégâts qu'on prend. Vu que là, j'ai réduit ma défense, là, j'en remets. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Les dinosaures modés, ils ont plein de capacités différentes. Ils sont très inventifs, les développeurs de mode. Oh, lui. Oh, lui, on va aller le griffe. Allez, viens là. What? Je peux pas attaquer? Il y a écrit 2 secondes, 1 seconde, ok. Ok, là je m'augmente ma défense. Non, t'as raté. Ok. What? Je me fais démolir. Hein. What the fuck? Mais what? Mais what? Ma vie! Mais ma vie quoi? Bon, ok, je pense que il en faut avec de la défense plus parce que là vraiment je me suis fait fracasser la gueule. Yo les gars. Gentil, hein. Et je vais me poser avec vous. Regardez dans l'état dans lequel je suis. Bon, alors la régène de la stam, elle est très rapide, évidemment. La régène de la vie, elle est là rapide aussi. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Ouais, ouais, et pas moi, j'ai 1 point de vie, pas moi. Qui? Lui, là, le raptor. Viens là. Mais il court 3000 fois plus vite que moi. Mais oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, en vrai, il est pas ouf le dino. En vrai, je vous le dis, il est pas terrible. Les attaques, elles mettent 1 heure à partir, quoi. Hé, l'allosaure, je suis de ton côté. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Regardez, j'ai cliqué. Ah si, quoi, que je l'ai touché, je l'ai touché. Qui aura le plus de stam? Mais il court plus vite que moi. Je l'ai pas touché. 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 Mais wesh. Ah, il a toujours de la stam le gars là. C'est abusé quoi. Ah, il a plus stam là. Là, il a plus stam. Ah si. Viens là. Je le retouche une fois, il est mort. Hein. Mais j'ai bientôt plus stam. Mais bon sang. J'ai plus de stam. Oh là là. Allez, on y retourne.
Ok. Bon, j'ai compris, j'en ai fait un défense plus cette fois-ci. Donc je vais courir un tout petit peu moins vite, mais je serai plus solide. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est un gilo ça. Vas-y, vas-y, go. On se le fait. Ah ouais, grosse attaque là. Regardez comme je lui fais mal. Oh là là. Ah ça y est, il se défend. Il est bloqué. Wow, beaucoup trop fort le Gilo. Du coup, ce que j'allais vous dire, c'est que vu qu'en fait les combats sont très bordéliques dans le jeu, avec un petit dinosaure, bah si on a un petit lag, un petit TP, un petit problème de collision ou quoi, en fait on est mort. En fait, c'est pas du tout parce que j'aime pas les petits dinosaures. Hein. Vu que le jeu est un peu buggé, bah tout simplement, utiliser les petits dinosaures c'est quand même très compliqué. Et après aussi, what? Ouais, ça c'est pas un petit dinosaure, Didin. Ah bah, vous le voyez pas, mais derrière moi il a écrit coucou YouTube. Attendez, Didin, spécial dédicace pour toi. Paf paf paf, paf. Il vous a dit coucou. Vous pouvez dire coucou Didin, ça me fera plaisir. Du coup, j'en étais où? J'en étais où après cette rencontre avec Didin? Oui, et puis en plus, tous les gros dinosaures ont évidemment des parades contre les petits dinosaures qui pourraient les 1v1 très facilement. Par exemple, lui, le gros Spino, et le gros Triceratops, et le gros Barsboldia qui est derrière. Eh bien, en fait, ils ont des coups de queue pour se protéger de nous. Donc, ce qui fait, c'est que c'est très compliqué d'attaquer les gros dinos, même en groupe, parce qu'ils peuvent nous détruire très facilement. Et en plus de ça... les petits dinos, c'est très compliqué aussi de les attaquer parce que les combats sont assez bordéliques. On va essayer de l'attaquer et on va voir ce que ça donne. Ok, je l'ai croqué, je l'ai fait saigner. L'allosaure, est-ce que je cours plus vite que lui ou non? Est-ce que tout le monde va se mêler à la fight? What? Ok, il y a moins que... Alors, je tourne quand même assez bien. What? Mais non, mais va te faire foutre, putain! Mais oh là là, tu vois pas que je suis un tout petit. What? Eh, par contre, heureusement que j'ai mis de la défense, hein. Heureusement que j'ai mis défense plus, hein, parce que sinon... What? Ça part en cacahuète. Mais oh les gars, mais vous êtes trop chiants en fait. Y'a que des apex contre moi, les gars. Vous êtes trop relou en fait. Oup là, je me casse. Mais genre... Ouais, mais... J'ai l'air de lui avoir mis pas mal de dégâts. Mais bon, vous avez vu, hein, genre, il m'a mordu une fois, même si je suis en défense plus, il m'a enlevé la moitié de ma vie, en termes de saignement. C'est quand même pas terrible, terrible. Je pourrais essayer de me fight contre le raptor qui est là. Encore faut-il... Yo, je t'accepte. What? Y'a quoi là? Ah, c'est l'allosaure. Y'a le raptor qui m'aide. Yo, yo, yo. Je suis avec toi, frérot, t'inquiète. Il saigne dans tous les sens, ce vieux schlag. Allez, allez, allez. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'ils veulent, là? Non mais sérieux les gars, vous êtes trop relou en fait. Et si je me prends un coup de queue de... Spino, ouais il m'a fait mal quand même. Non mais en vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? What? Mais allez vous faire foutre! J'ai rien enlevé comme vie, hein. Wow, on prend tellement de dégâts. C'est un délire, hein. Et on y en met tellement peu. Y'a quoi là? Ah y'a lui là. On peut essayer contre lui, c'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est un Alioramus. Vas-y. Allez, je vais booster ma défense. Nickel. Mais il tourne trop bien le con. What? Mais ouais, mais... C'est mon pote qui me met des dégâts. Mais vas-y, mais barrez-vous, vous. Ok. Je l'ai même pas touché, super. Je l'ai touché, je l'ai touché. Y'a quoi là? What? Et vraiment les combats. What? Allez, on va essayer de faire quelque chose. Yes! Yes, le Dasplay! Ok. Je l'ai fait saigner! Oh, il m'a l'air tellement faible le Gilo, c'est... Je comprends rien à ce qui se passe, hein, vraiment. Et voilà, je suis devant lui. Allez, allez, allez.
Ok, il est un peu fatigué, hein. Est-ce que je peux réussir à tuer quelque chose dans cette vidéo? Yes! Ah, il revient du coup. Et ouais, du coup, revenge kill. Allez, faut que j'arrive à le faire saigner. Ok, je l'ai fait saigner. Nickel. Mais je sais pas si ça met beaucoup de saignement. J'en ai aucune idée. Allez, encore un saignement. Ok, c'est raté. Ça a pas marché. Il saigne plus. Ouais, bah c'est super. C'est mon arme, le saignement, et je l'ai fait saigner pendant une seconde. Il m'a pas l'air très très fort, ce Dilophosaurus. Ok. Faut que je le refasse saigner, faut que je lui remette des coups. Hein. Ouais, non, mais il est pourri, le dino. Bon. Écoutez, voilà. Bilan. En gros, le dilo est quand même assez décevant. Il est très fragile. Les attaques, bah, elles mettent du saignement, mais comme vous avez pu voir sur le display, elles en mettent vraiment pas beaucoup. Voilà. En gros, petit bilan du Dilophosaur, très décevant. Et d'ailleurs, j'étais le seul à le jouer. Je pense que c'est pas un mystère. Tout le monde a compris que c'était de la merde. Tout le monde.